Décembre 1957. Qu'est-ce qui t'arrive, Michael? Mais regarde dans quel état tu es. Il me courait après. Je ne vois personne. C'est pas le moment de prendre froid. Rentre à la maison, on a du monde. Lily, une bande de Portos m'a poursuivi jusqu'ici. Répète ça. Michael Toller, tu es moitié irlandais, moitié italien. Est-ce que tu aimerais qu'on t'appelle le Rital British? Non. Alors ne les traite pas non plus de Portos. Comment je peux les appeler alors? Voyons. Ce qui me paraît le mieux pour ces individus, c'est Salra. Et comment je peux me débarrasser d'eux? Tu dois leur montrer qu'il ne faut pas te marcher sur les pieds. Qu'est-ce que je leur dis? T'as rien à dire. Tout est dans l'allure. La démarche. La démarche? Oui. Regarde. Mets un peu tes épaules en arrière. Ensuite, tu les regardes. Bien fixement et en plissant les yeux comme un chinois. Voilà, très bien. Maintenant, roule des mécaniques. Comme un grand maître nageur très tranquille. Voilà ce que ça donne. On ne fume pas dans ma cuisine. Excusez-moi, je ne l'ai pas. Tiens, Mike, comment ça va? Pas trop mal. Bonjour. Salut. Hey, Chick, c'est Mike. Lui, c'est un boxeur pro. Il les a tous battus. Fulmer, Basilio et même le grand Sugar Ray Robinson. Oui, quand ils étaient petits. Allez, Mike, dis-moi, comment est-ce que ma sœur te traite? Elle est gentille. Gentille? Prends-en de la graine. Hé, ton père est là. T'as entendu? La chance vient de frapper à ma porte. Si on arrive à monter ce club de jazz, tous les bars à jukebox vont devenir aussi rasoirs que la musique d'église du dimanche matin. Ne mêle pas le Seigneur à tes affaires. Je ne plaisante pas avec Dieu, mais ça ne se voit pas souvent, un noir qui réussit socialement. On nous voit nettoyer les toilettes, ou frotter les chaussures, ou balayer les rues. Mais Chick et moi, on a des idées. On monte une boîte, on embauche des bluesmen. On aménage une cave qui sera le point chaud de Harlem. Et qui est-ce qui va payer tout ça, hein? C'est le problème, tu vois. On a eu un prêt, seulement faut qu'on le dépense pour la boîte. Donc obligatoirement, pour l'instant, financièrement, c'est un peu difficile. Et tu veux que je te dépanne? Tu plaisantes? Jusqu'en janvier. Et tu auras un bon pourcentage sur le club toute ta vie. Booker, j'ai les oreilles pleines de tes rêves, mais mes poches sont vides. Vous êtes marrante, Miss Lily. Vraiment, Chick. Oh, Lily, c'est pas un caprice d'enfant. C'est notre but. C'est le rêve qu'on voulait réaliser en venant à New York. Et fais-en bon usage, compris? Je te décevrai pas, Lily.
Mais il n'y a plus que 9 jours avant Noël, papa. Je rentrerai à temps. C'est la première fois qu'on me propose de faire un film, Michael. Tu ne crois pas que je dois tenter ma chance? Si, mais on n'a même pas fait un sapin de Noël. Je dirai à maman de t'en acheter un. D'accord. Quand est-ce que tu vas rentrer? Pour le réveillon. Et après, tu restes là? Non, je devrais repartir. Quand? Le soir de Noël. Ce soir, la doublure de maman la remplace au théâtre. Elle va te chouchouter. Mike, je ferai tout pour que tu passes un bon Noël. Monsieur Toller, la limousine est en bas. J'arrive, Lily. On ira là-bas un jour. Je te le promets. Je me sauve. Au revoir, papa. Je t'appellerai de Los Angeles, d'accord? Michael, il y a quelqu'un? On ne court pas dans les escaliers, je n'ai pas envie de te retrouver plâtré. Tu imagines le travail. Comment ça va, chérie? Personne ne m'a dit que papa s'en allait. Chérie, on a su qu'aujourd'hui, c'est une occasion inespérée pour lui. C'est aussi ce qu'il a dit. Laissez-moi prendre votre manteau. Merci, Lily. Où on va ce soir, maman? Ce soir? Je dois être au théâtre à 19h. Mais je croyais que ce soir entre en place, alors... C'est ce qui était prévu, mais un producteur vient d'arriver d'Europe et c'est le seul soir où il peut se libérer pour voir la pièce. Oh, je suis désolée de t'avoir fait une fausse joie. J'avais pourtant laissé un message à ton père. Je l'ai remis à Monsieur Toller, madame, mais il est parti sans avoir le temps de le lire. Michael! Je vais m'occuper de lui. Ne vous inquiétez pas. Oh, qu'est-ce que je ferai sans vous, Lily? Sans doute plus souvent la cuisine et le ménage. Tiens, tiens. Pourquoi ta mère fait trempette dans l'Atlantique? Les épingles de papa et maman ont fait des trous à Chicago, Boston et Philadelphie. Il n'y a que mon épingle jaune qui bouge jamais et la verte, la tienne. Mais personne ne connaît la verte, Lily. Dis-moi mon histoire préférée, s'il te plaît. Tu as de la chance, c'est ce que je m'apprêtais à faire. Certains soirs, lorsque la nuit est très noire, le Seigneur court le monde et choisit l'enfant le plus courageux qu'il puisse trouver. Sans faire de bruit, il le tire du sommeil et l'emporte vers sa mission. De la lune, il veillera sur les beaux rêves des enfants. Et à ce moment-là, s'il y a un cauchemar... L'enfant enfourche immédiatement un rayon de lune pour aller détruire cet affreux. Il repère où il est, fonce droit sur le cauchemar et l'enflamme de sa lance mortifère. L'ennemi est réduit en cendres. Il ne reste plus que les rêves pour que les enfants dorment en paix. Fais de beaux rêves, Michael. Toi aussi, fais de beaux rêves.
cœur? Qu'est-ce que tu fiches là? Tu sais que tu n'as rien à faire ici. La grille était ouverte. Je suis passé par le jardin. J'ai de gros ennuis. Tu es seul? Non, la maîtresse de maison est là aussi. Suis-moi à la cuisine, on va discuter. Non, attends. Les choses sont mal tournées. De quoi tu parles? J'ai emprunté beaucoup d'argent pour le club. Le type était venu pour son dû, mais je suis trop juste ce mois-ci. Son dû? On paye des intérêts sur ce coup-là. Tu es allé voir un usurier? Où est-ce qu'un noir peut obtenir un prêt sans braquer une banque? Le problème, c'est qu'on doit une somme énorme, Lily. Travaille, ça changera et tu pourras peut-être rembourser pour une fois. Ce gars est un gangster. Un gangster? Mais pourquoi tu te mets à fréquenter des truands? Tu crois qu'on savait qui il était avant d'avoir affaire à ces gorilles? Je t'en supplie, aide-moi. Si tu ne paies pas pour moi, ils vont me tuer, chic avec. Quoi? Oh, mais regardez-moi ça! C'est eux? Oui, ils m'ont frappé. J'ai bien tenté de me défendre. Ils voulaient me tuer, mais je les ai suppliés de me laisser partir. Mais il faut aller voir la police. J'y suis allé, figure-toi. Ils m'ont tous rigolé au nez. Si tu crois qu'ils se mesurent à la mafia pour un black... Retourne chez papa et maman. Dans le sud, personne ne te trouve. Ils me surveillent. Ces tueurs me retrouveront n'importe où. Je leur dois presque 200 dollars. Tu veux rire ou quoi? Je sais que tu ne les as pas. Mais eux les ont. Ils refuseraient de me prêter une somme aussi importante. Mais qui te parle d'emprunter? Non, Booker, t'es tombé sur la tête. Regarde tout ce qu'ils ont. L'assurance remboursera, je te jure qu'il n'y aura pas un seul blessé. Tu volerais les personnes qui m'emploient sans vergogne. Je te demande de me sauver la vie, tu comprends? Je n'ai jamais voulu en arriver là, mais j'ai le couteau sous la gorge. Écoute, tout ce que je te demande, c'est de sortir en laissant la porte ouverte quand elle ira travailler au théâtre. Prends le petit Mike à l'école et va te promener avec lui une heure dans un parc. Mais j'adore cette famille, mon cœur. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu as changé. Je m'efforce de poursuivre mon rêve. Maman avait cet espoir pour ses enfants. Un pauvre nègre du Sud n'a pas 36 chances dans la vie. Oh non, ne me resserre pas ce vieux couple. Alors change de disque. Où est ta famille? C'est moi ou bien c'est Blanc? Tu ne sais pas quoi répondre, hein? Tu me laisses tomber comme t'as laissé tomber Louetta. Pourquoi est-ce que tu veux me blesser? Dis-moi, je t'ai fait quelque chose, hein? Je te demande pardon. Je voulais pas que tu sois triste. Mais moi aussi, je suis mal. Je n'ai que toi vers qui me tourner. Écoute, Lily, je repasserai à 3 heures. Je sonnerai, laisse la porte ouverte, je t'en prie. Ne me laisse pas tomber. Lily? Y a quelqu'un? Ouais, je lui ai dit, mais il a pas voulu. C'est vrai? Attends, je vais... Hé, Michael! Qu'est-ce que tu fais là? Je me suis dit qu'on pourrait aller se balader et s'offrir une bonne glace. Avant de dîner? Et alors? T'es venu à cause des garçons qui m'embêtent toujours, hein? Oui, Michael. On a tous besoin d'être protégés, de temps en temps. C'est une bonne moyenne. Oui, je pense que Yann pouvait en faire autant. Bon, il faut que j'y aille. Merci. Au revoir, monsieur. On vient de récupérer le corps à bout de glace. On interroge les voisins pour avoir des informations. Mon Dieu! Vous êtes arrivé il y a 25 minutes, mais c'est trop tard. Oh, Seigneur! D'avoir été libre à la tribune. Mais qu'est-ce qui se passe? Viens avec moi. Arrête, il me fait mal! Taxi! Taxi! Oh, par ici, taxi! Je refuse d'aller à Harlem. Nous n'allons pas à Harlem. Bon alors, où je vous conduis? Lily, où on va? Qu'est-ce qui se passe? S'il vous plaît, emmenez-moi à la gare centrale.
gardez la monnaie. Oh, merci, madame. Tu me dis ce qui se passe? Je m'en vais, je pars en vacances. Non, pourquoi tu mens? Tiens, prends cet argent et rentre à la maison. S'il y avait quelque chose d'anormal, surtout, appelle ton oncle Richard immédiatement. Qu'est-ce qui se passe? Je dois partir, Michael. Ellie! Ellie! Votre attention, s'il vous plaît. Les prochains départs sont prévus en direction de West Coast River, Philadelphie, Boston, Atlanta, Birmingham et la Nouvelle-Orléans. Vous prenez la voie 29, s'il vous plaît. D'accord. Plume de paon ou plume d'autruche? Donnez-moi un billet pour Birmingham. Bonsoir, Lily. Comment est-ce que tu es montée? Quand tu m'as laissée, je suis pas restée dans la voiture. J'ai regardé et je t'ai vu prendre ce train, alors je me suis mise sous un petit chariot à roulettes qui allait au wagon restaurant. Quand j'ai entendu qu'on démarrait, je suis partie pour te chercher. Pourquoi tu fais ça, Michael? J'ai pas envie que tu me laisses tout seul. Oh, chérie, ce n'est pas parce qu'on se sépare qu'on ne se revoit jamais. Oui, mais ça se pourrait. Pourquoi tu te sauves comme ça? Oh, Michael, je ne m'enfuis pas du tout, je vais prendre des vacances. Tu pars sans valise? Pourquoi t'as pas prévenu maman que tu t'en allais? Puisqu'on parle d'elle, est-ce que tu as pensé que ta mère doit se faire un sang d'encre? On va descendre à la prochaine gare et... Je pars seulement si toi aussi. Oh, répète-moi ça. Rentre à la maison ou je rentre pas? Michael! Tu étais avec moi presque depuis que je suis bébé. Ne m'abandonne pas, je t'en prie. Oh, il ne fallait pas vous déranger, Madame Toller. Ça ne m'ennuie pas. Au contraire, j'ai besoin de m'occuper. Merci beaucoup, mais je vous en prie, asseyez-vous. Est-ce que je suis obligée de vous redonner le témoignage que j'ai fait précédemment à votre agent de police? Cet après-midi, vous nous avez signalé un cambriolage, pas une personne disparue. Vous voulez bien nous raconter exactement ce qui s'est passé? Bon, d'accord. Je suis passée chez moi environ vers 4 heures. J'étais sur le perron lorsque j'ai vu une ambulance emmener ma voisine, Madame Cotton, qui venait d'avoir une crise cardiaque. C'est là que je me suis rendu compte que ma porte était ouverte. Il n'y avait ni Lily ni Michael à la maison. Quand je suis entrée dans la salle à manger, alors j'ai vu tous mes tiroirs de buffet ouverts. Et j'ai entendu claquer la porte qui donne sur le jardin. Et vous avez appelé la police? On vous a volé quelque chose? Non, rien du tout. À quelle heure la gouvernante devait rentrer normalement? Elle n'aurait même pas dû partir et Mike non plus. Mais vous ne nous prévenez qu'à cette heure-ci. Écoutez, Lily est une personne très responsable et j'ai cru qu'elle avait emmené Mike quelque part. Est-ce qu'elle a des amis ou de la famille à New York? Oui, elle a effectivement un frère. Booker. Est-ce que vous vous êtes disputé avec elle au sujet de son salaire, par exemple? Non, qu'est-ce que vous croyez? Pourquoi me poser tellement de questions à propos de Lily? Elle est comme un membre de la famille. Il y a plus de 5 ans qu'elle vit ici avec nous. Madame Toller, c'est la seule à pouvoir entrer et sortir de la maison. Si on fait un cambriolage, on ne repart pas sans rien. Que voulez-vous dire? Il veut dire que ça a tout l'air d'un kidnapping, Madame Toller. Non, vous n'êtes pas sérieux. Elle aime cet enfant et n'aurait jamais osé faire une chose comme celle-là. Justement, elle l'aimait peut-être un peu trop fort. Une nourrice peut devenir très proche d'un enfant. Trois minutes d'arrêt. On va téléphoner à ta mère. Je n'ai rien à lui dire. Et je te réexpédie à New York par le train.
Je ne rentrerai pas sans toi. Ne me mets pas en colère, tu entends, ou ça va mal aller. Allô, j'écoute. Bonsoir, mademoiselle. J'aimerais un numéro à New York City. Walden, numéro 95607. Écoute ta maman et surtout, tu fais bien ce qu'elle te demande. Ça vous fera 70 cents pour 3 minutes. D'accord, merci. Allô ? Madame Toller, c'est Lily. Oh, Dieu soit loué, c'est Lily. Lily, où êtes-vous ? C'est assez difficile à dire, madame. Mais Mike est avec moi. Et vous, est-ce que ça va ? Et Booker, où est-ce qu'il est ? Quoi ? Mais je ne sais pas où est votre frère. Je voudrais parler à Michael. Elle veut t'entendre. Si tu refuses de parler, Mike, je te promets que tu vas le regretter. Bonsoir, ma... Michael, est-ce que tu vas bien, chérie ? Oui. Mais où es-tu, enfin ? J'en sais rien, mais il y a au moins 3 heures qu'on voyage. Tu devrais aller dans ma chambre et bouger nos épingles puisqu'on n'est plus à New York. Michael, rentre à la maison, je t'en prie. Dis-moi, c'est Lily qui te retient ? Tu me reverras pas sans elle, maman. Mais que se passe-t-il, au juste ? Michael ! En voiture ! Michael ! Madame, je fais ce que je peux pour le raisonner, mais c'est une tête de lard. Je ne sais plus quoi faire de lui. Moi, je le sais. Ramenez-le chez lui. Qui vous êtes ? Je suis l'inspecteur Jarrow de la police de New York. Dites-moi où vous vous trouvez, mademoiselle Covington. Allô ? Mademoiselle Covington, si vous retenez cet enfant contre sa volonté, je vais prévenir le FBI, alors je... Mais pourquoi lui avoir dit ça ? Vous l'avez effrayé. Si elle n'avait rien sur la conscience, elle n'aurait aucune raison de réagir de cette manière. Tu rentres, immédiatement. Non ! Alors je te laisse sur le quai. Il est hors de question que je t'emmène. Je sais même pas où je suis, Lily, alors... En voiture ! En voiture ! Lily ! Ne me laisse pas ! S'il te plaît. Donna ? Donna ! Jim ! Est-ce que tu as des nouvelles ? Non. Excuse-moi, Val. J'étais pourtant venue en me disant que j'allais jouer, mais je n'y arriverai pas, non, je ne crois pas. Ne t'inquiète pas, j'ai appelé Jeanne, elle sera là dans 5 minutes pour te remplacer. Alors détends-toi, d'accord ? Allô ? Madame Toller, c'est moi, Lily. Lily ? Oui. Madame, je sais pas quoi dire, c'est pas très facile.
je suppose que... Où est Michael? Aux toilettes. Ce gamin est têtu. Je veux discuter avec mon fils, Lily, et tout de suite. Ça m'ennuie, madame, mais il refuse de vous parler. Arrêtez. Je sais que vous avez enlevé mon enfant, Lily. Hein? C'est ça que vous croyez? C'est lui qui me laisse pas tranquille. Il veut pas me quitter. Il refuse de rentrer. Vous n'espérez pas me faire avaler ça? C'est pourtant la vérité. Je m'excuse pour ce qui s'est passé. Je sais que c'est mal. Mais je n'ai pas kidnappé votre fils. Je n'aurais jamais fait une chose pareille. Lily, je vous préviens, j'ai téléphoné au FBI. Et en plus, j'ai mis un détective privé à vos trousses. Je veux récupérer mon fils et je ne baisserai pas les bras. Vous avez entendu, je ne renoncerai pas. Madame, je sais bien ce que vous ressentez, mais... Comment est-ce que vous osez dire ça? Vous ne savez rien. Jamais j'aurais enlevé votre Mike. J'adore cet enfant. Mais je me fiche que vous l'aimiez, ce n'est pas le vôtre, vous entendez? Alors si vous refusez de me rendre Mike, demain au plus tard, je m'arrangerai pour vous jeter en prison. Jusqu'à la fin de vos jours. Ah, je cherchais... Pour les Blancs, c'est de l'autre côté, mon garçon. Lily, vous êtes là? Lily! Michael. Votre attention, s'il vous plaît. Les prochains départs sont prévus pour les gares desservant Atlanta, Columbia, Richmond et Washington. Un billet de train plus deux tickets de bus pour aller jusqu'à Plum Branch. Tu m'as ruiné. J'espère que tu vas renoncer à ce caprice. Dès qu'on arrivera chez ma mère, je lui emprunterai de l'argent pour te renvoyer chez toi. Lily, pourquoi est-ce que les noirs et les blancs peuvent pas faire pipi au même endroit? Qu'est-ce que ça peut faire? Tu es en Alabama. Les blancs, c'est pas comme les noirs ici. Alors t'arrives, approche petit gars, viens. Non, vas-y tout seul. Alors, c'est pour aujourd'hui ou pour demain? Il faut choisir une place à l'avant du bus parce qu'il y a beaucoup de noirs qui vont vouloir s'asseoir pendant le voyage. Et pourquoi ils ne se soient pas à l'avant? Hein? Ici, on doit respecter l'ordre de passage. La priorité est au blanc. Elle m'accompagne. Je reste avec elle. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je suis sa nourrice et c'est moi qui le ramène à sa maman. Ça m'étonne. Il n'a pas l'air d'être de la région de la façon dont il s'habille. Oui, en effet, il habite Chicago. D'accord, il peut rester avec vous, mais si quelqu'un veut un siège, prenez-le sur vos genoux, c'est bien compris? Oui, monsieur. Merci, monsieur. Pardon, monsieur. Bon, à nous. Votre téléphone est sur table d'écoute, mais je doute qu'elle rappelle. La demande de rançon arrivera sûrement par la poste. Une rançon? Mais... comment Lily peut-elle nous faire une chose pareille? Le FBI fera tout ce qu'il pourra pour les retrouver. On a déjà eu des cas similaires. Est-ce que c'est une photo récente de Mademoiselle Covington? Oui. Vous pouvez me dire d'où elle vient? Elle venait d'une petite ferme, dans le sud. Le sud, c'est grand, Monsieur Towler. C'était dans quelle ville ou dans quel état? Je l'ignore. Donna? Non, je n'en sais rien non plus. Elle travaillait ici depuis... Depuis 5 ans. 5 ans? Vous ne connaissez pas grand-chose sur elle. À ma famille, Michael. Je préfère raconter que t'es venu en vacances, c'est tout.
Est-ce que ta maman a des chevaux? Michael, tu n'écoutes rien, je te parle sérieusement. Je préfère que tu ne dises rien à ma famille. Je leur raconterai que tu es venu en vacances, c'est tout. Non, mais tu te moques de moi. C'est joli ici. Oui, mais ne t'attache pas trop au coin. Je te réexpédie à New York dès que je peux payer le billet. Lily, pourquoi la terre est marron foncé? Le bon Dieu a dû poser cette terre marron et riche pour le pauvre peuple de la même couleur. C'est vrai? Ouais. Crache un malheureux pépin de pastèque sur cette terre noire. Au printemps prochain, tu traverseras un champ de pastèque. À la personne que j'aime le plus au monde. Bon anniversaire, Lily. Je t'aime, Michael. Jim ? Qu'est-ce que tu fais là ? Ils n'ont pas fouillé la cuisine ? Si, et alors ? Ce mot leur a échappé. J'ai téléphoné à Harrington du FBI. Qu'est-ce qu'il t'a dit ? Ils n'ont rien pour l'instant. Mais il nous demande d'être patient. L'enquête va bientôt aboutir. Est-ce que tu as eu Los Angeles? J'ai laissé tomber le film. Mon pauvre chéri. Tu crois que c'est si important pour moi? Bien sûr que ça l'est, mais c'est normal. C'est naturel. Le travail, c'est tout ce qui compte. Mais enfin, je ne suis pas capable de jouer depuis 3 soirs. Tu vas t'y remettre. Demain, la semaine prochaine. Mais qu'est-ce que tu as? Pourquoi tu tenais tant à jouer cette pièce? La 3e en 9 mois. Tu te venges sur moi parce que Lily n'est pas là? Ce gosse réclamait ton attention. Tu tenais à faire ce film, toi aussi. Je suis obligé de gagner ma vie. Tu sais ce que cette vie nous coûte? Oui, ça nous coûte beaucoup trop. Donna! Donna! On est bientôt arrivé? Oui, on y est presque. Est-ce que tu es née dans cette maison? Oui. Oui, Michael, mon peuple habite là depuis qu'on l'a arraché à la belle Afrique. Grand-mère Mazie, il y a une dame qui est là. Descends, bonhomme. Alors tu as compris, tu ne leur dis rien du tout à moins que je t'y autorise. Louetta? Tu sais comment je m'appelle? Je te connais pas. Normal, je suis ta tante. C'est toi la dame qui m'envoie tout le temps des belles affaires? Oui, comme ce manteau rouge que tu portes. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu m'as apporté? Lily? Lily Covington! Oh, Seigneur, c'est un miracle! Ah, je suis tellement contente! Pourquoi tu ne nous as pas écrit que tu allais venir? Ça m'aurait fait tellement plaisir! T'aimes plus les surprises, maman! Oh, si, c'est mon plus beau cadeau de Noël depuis des années! Laisse-moi te regarder! Ma fille! Et qui est notre invité? Je te présente Michael, je m'occupe de lui à New York, je t'en avais parlé. Sa mère m'a autorisé à l'emmener pour passer des vacances ici. Ça ne les embêtait pas? Pour un Noël? Oui, je sais, mais comme ses parents travaillent sans arrêt, ils m'ont dit que ça serait une bonne expérience. Dis-lui bonjour. Bonjour, madame. Bonjour, petit. Je suis Mazie. Là, c'est Ada. Et je te présente Louetta. 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 Salut. Salut. Ada, tu ne viens pas dire bonjour à ta sœur? Salut, Lily. T'es devenue très jolie. Ça me fait plaisir de te voir. C'est gentil.
Oh, quelle entêté! Elle est maladroite, mais elle n'est pas méchante dans le fond. Attends-moi, maman. Excusez-moi du dérangement. Combien je vous dois, monsieur? Oh, rien du tout, madame. C'est un plaisir d'assister à des retrouvailles. Oh, vous êtes très gentil, merci. Mais où sont passés tes bagages? T'as pas d'affaires? Oh, il est arrivé une histoire un peu compliquée à Birmingham. Il y avait un changement à la Nouvelle-Orléans, mais les sacs n'ont pas suivi vers Plum Branch. C'est pas de chance. Louetta, arrête de dévisager ce garçon, il va croire que tu veux lui porter le mauvais œil. Allez, viens avec moi. Grand-mère Mazie va te faire visiter. T'as perdu ta langue? Bah non, j'ai une langue. Je croyais qu'il fallait te conduire chez la guérisseuse, moi. La guérisseuse? Oui, vous devez appeler ça une sorcière à New York. Une sorcière? Grand-mère Mazie te taquine, il faut bien rire. Ma poupée, tu es une grande fille maintenant. Grand-mère dit tout le temps que je te ressemble, tante Lily. Oh, ma chérie, tu es beaucoup plus belle que moi. Et Booker, hein? Donne-moi des nouvelles de mon fils. Booker, il est en pleine forme, maman. Il profite. Si vous saviez comme vous m'avez manqué depuis le temps. La vie est trop courte. Il y a tellement de malheurs. Est-ce que papa est dans les bois? J'ai bien essayé de vous écrire à Booker et à toi, mais depuis un mois, je cherche les mots. Je ne savais pas comment vous le dire. Je crois que rien n'aurait pu atténuer cette souffrance. Qu'est-ce qui s'est passé? Mon bébé. Viens avec moi. T'arrives? T'as la trouille ou quoi? Non. Là, c'est mon grand-père Louis. Il est mort au mois de septembre. On a mis une branche de gui sur sa tombe. C'est joli. À cette saison, c'est ce qu'il y a de plus vert et c'est ce qu'il tient le plus longtemps. De quoi il est mort? Oh, de vieillesse, je crois. Et là, c'est ma maman. Ta mère? Oui, elle est morte quand j'étais bébé. C'était la sœur de tante Lily. Elle s'appelait Camélia. C'est joli, tu trouves pas? Oui. Ils ont voulu qu'elle ait un sublime enterrement. Elle était tellement jeune. T'as pas à avoir peur d'être là. Il n'y a que des gens de ma famille. Il y en a qui sont là depuis plus de 100 ans. Tu peux être sûr qu'ils sont morts pour de bon. Ils risquent pas de te croquer tout cru. On vient pique-niquer là de temps en temps pour tenir compagnie aux morts. Pique-niquer? Oui. Tu sais ce que tu viens de faire? Quoi? Tu viens de t'asseoir sur oncle Charlie. Voir. Non, son visage ne dit rien. Voilà. FBI, vous avez déjà vu cette femme? Ah oui, elle est montée dans mon taxi. Pour aller où? À la Grande Gare Centrale. Nous avons une piste, ce n'est plus qu'une question de temps. Avec de la chance, votre fils sera près de vous pour Noël, et Lily Covington en prison pour longtemps. Madame Toller. Bonsoir. Bon, ils ont une piste, c'est déjà ça. Tu ne vas pas jouer tout à l'heure? Non, j'ai demandé qu'on me remplace ce soir. Et tous les autres soirs. Donna,
Je ne voulais pas te pousser à bout. Excuse-moi, chérie. Jim. Si je l'ai fait, c'est pas pour toi. Mais là, plus haut. Tu as vu le grenat comme il est beau, Tante Lily? C'est moi qui l'ai trouvé sur le bord de la rivière. Grand-mère dit que ça vaut très cher, cette pierre. Oui, c'est vrai, Louetta. Je n'ai jamais vu un grenat plus beau de toute ma vie. On n'a rien de pareil, même chez nous à New York, hein, Michael? On a Tiffany's. Tiffany's? Oui, c'est une bijouterie. Ils vendent des diamants comme des œufs de poule et plus gros. Ça doit être un peu spécial, mais ça me plairait d'y aller. Ça fait combien de kilomètres? J'en sais rien, mais on a voyagé en train pendant 2 jours entiers. Mais ça doit quand même faire bizarre d'être venu du bout du monde. Mais ton papa et ta mère n'ont pas envie d'être près de toi pour Noël? Si, ils aimeraient que je sois là, mais mon père est en voyage d'affaires. Ah bon, mais et ta maman? C'est pareil. Elle travaille aussi. Oh oui, Tante Lily, une fois tu nous avais écrit qu'elle était comédienne à Broadway dans un théâtre. C'est vrai, chérie. C'est bien d'avoir son papa et sa maman encore là. Même s'ils travaillent beaucoup. Il fait tout noir dehors. La nuit, c'est normal. Qu'est-ce que tu attendais, un beau soleil? Je te signale qu'à New York, dans toutes les rues, il y a des lumières d'allumées. Pourquoi? Tous les gens qui habitent là-bas ont peur dans le noir? Non, t'as pas intérêt à être une poule mouillée pour vivre à New York. Je trouve que tu ne fais pas tellement dur à cuire. Et attention, ma vieille, tu parles à un gars qui affronte une bande de sales rats tous les jours en rentrant de l'école. Puisque tu es si fort, pourquoi tu es là? Mettez-vous au lit avant que ma mère ne monte se coucher. Mazie dort avec nous? Et je te conseille d'être endormie avant qu'elle arrive. Pourquoi? Parce que grand-mère ronfle si fort que les planches du parquet Queen. Et après, t'entends les souris danser toute la nuit. Viens là. Oh, ma petite puce. Je me rappelle t'avoir tenue dans mes bras comme ça. Il y a très longtemps. Tu veux bien me raconter mon histoire? Non, il faut dormir maintenant. Non, raconte-moi. Je n'ai pas besoin de faire tes 4 volontés. Ici, tu es chez moi. Tu dois te sentir bien loin de chez toi, hein? Allez, viens. Certains soirs, lorsque la nuit est très noire, le Seigneur court le monde pour choisir l'enfant le plus courageux qu'il puisse trouver. Sans faire de bruit, il le tire du sommeil et l'emporte vers sa mission. De la lune, il veillera sur les beaux rêves des enfants. Et s'il voit un cauchemar apparaître? L'enfant enfourche immédiatement un rayon de lune pour détruire cet affreux. Il repère où il est, fonce droit sur le cauchemar et l'enflamme de sa lance. L'ennemi est réduit en cendres. Ne reste plus que les rêves. Pour que les enfants dorment en paix. Faites beaux rêves, Michael. Toi aussi, bonne nuit, Lily. Faites beaux rêves, Louetta. Bonne nuit. Quand j'ai vu sa tête d'œil. À moi. Oh.
approche, Amy. Tu es plus douce et sucrée qu'une betterave qu'on vient de sortir de terre. Rentre chez toi maintenant. Je vais pas pouvoir dormir, je suis excitée comme une puce. Pour ça, je connais un truc efficace. Une poudre anti-puce pour les cleps qui se grattent. Ça glisse. On va pas laisser mourir le feu cette nuit. Le petit attraperait froid, il n'a pas l'habitude. Bonsoir, maman. Bonsoir, Ada. Il est presque 1 h du matin. Pourquoi tu dors pas? Je suis grande maintenant. Je prépare un lit pour ta sœur. Elle dort dans ma chambre? On est une famille, Ada Covington. Attention, ton père nous a quittés, mais ce n'est pas une raison pour te montrer égoïste, comme si on n'existait pas. Donc ta sœur dormira avec toi et conduis-toi correctement avec elle. Pas étonnant que tu sois partie à New York. Mais pourquoi elle est tellement remontée? Elle a la même colère que toi à son âge. Il n'y a rien à faire ici, donc pas d'espoir. On ne peut devenir qu'une pauvre vieille métayère comme moi, et ça la révolte. Il n'y a pas d'avenir. Et toi, comment ça va, maman? Rassure-toi, ma chérie. Je n'ai pas l'intention de vous faire mes adieux tout de suite. Parce que je suis curieuse de savoir ce que donnera le programme d'intégration dont on parle. Ça fonctionnera dans 100 ans, à mon avis. Mais je veux quand même voir le résultat en Alabama. Tu serais mieux dans ton lit, maman. Va te reposer. Non. Je tiens à ce que tu me regardes droit dans les yeux. Je veux tout savoir. À propos de quoi? Le petit blanc, pourquoi il est venu? Qu'est-ce qui s'est passé à New York? Elle est une maman, c'est là pour ça. Tu peux compter sur moi, tu sais. Je t'aiderai, mais tu dois me dire la vérité. Je ne les trouve pas. Jim, tu sais l'heure qu'il est? Elles ne sont pas au grenier. Elles ne sont pas non plus là-dedans, chérie. Mais si, je m'en souviens. Je les ai rangées moi-même l'an dernier. L'an dernier, on était à Boston au moment de Noël. Elles doivent bien être quelque part. Mais tu mets tout en bazar. Jim. Les boules et les guirlandes étaient là, j'en suis sûr. Où sont-elles? Elles n'ont pas disparu toutes seules. Alors pourquoi je ne les trouve pas? Oh non. Jim. Jim. La police retrouvera Michael, mon chéri. Celui qui a cambriolé, tu n'as pas eu le temps de le voir. Non. Mais comme j'étais sortie en laissant ouvert, j'ai pensé qu'il croirait que tu étais complice. Et là-bas, la loi n'est pas conciliante avec les gens de couleur, comme ici. Tu n'aurais pas dû te sauver, Lily. Mais allez voir Booker. Je vous avais dit qu'il fallait vous serrer les coudes à New York. Oui, mais j'ai perdu mes moyens. Maman, qu'est-ce que je fais pour Michael? Oh, il voudra repartir. Ses parents vont lui manquer tôt ou tard. Oui, facile à dire. Il est tellement obstiné. Faut pas paniquer. Ses parents savent où on vit? Non. Bon. On cachera le petit jusqu'à ce qu'il soit prêt. Mais il ne faut surtout pas que les Blancs le sachent, sinon tu peux être sûr qu'il y aura des fuites. Et si le shérif croit que nous avons kidnappé un gosse blanc? Est-ce que tu sais ce qu'on risque? Oh, maman, je veux pas te mettre en danger. Non. Tu es ma fille, Lily. Je n'ai pas assez d'argent pour pouvoir le renvoyer chez lui. Nous non plus, figure-toi. Ada, va mettre une robe de chambre. On a un petit garçon sous notre toit. J'avoue que tu as un don particulier pour gâcher ta vie, Lily. Il me semble que tu as aussi beaucoup de talent dans ce domaine. Arrêtez de vous chamailler. On est une famille. Il faut qu'on tienne la main. Peu importe ce que ça coûte. Comment est-ce que tu espères la soutenir, maman? On a ramassé le coton et qu'est-ce qu'on en tire? Même pas de quoi vivre et passer l'hiver. Eh bien, on ira faire des ménages. On peut trouver du boulot à Plum Branch. Elle paiera un billet au petit dans moins de 8 jours. Merci, maman.
Notre père serait fier de toi. Tu es un ange. Je doute qu'il serait fier de toi, tante Lily. Arrête maintenant et cours te mettre au lit. Je commence à en avoir assez que tu considères Lily comme une sainte nitouche et moi comme une salope. Jamais je n'ai dit ça. Tu as bu un verre de trop? Va dormir avant de réveiller les enfants. Je vous dis ce que je pense depuis longtemps. Et je ne suis pas sous l'emprise de la boisson, ma chère Lily. Est-ce que tu pourrais me dire comment est-ce que tu as réussi à partir à New York en abandonnant ta fille à Camélia? Tais-toi, malheureuse, ou je suis capable de te mettre à la porte. C'est ça, continue à protéger ta Lily. Vas-y, sauve-toi, la fuite c'est ta spécialité. Tu étais gosse quand j'ai quitté la maison, tu ne pouvais pas me comprendre. Vraiment? N'empêche que moi je me tapais les fièvres de l'ouéter à soigner la nuit parce que Lily voulait mener la grande vie à New York City. Elle ne menait pas la grande vie, Ada. Au moins, grâce à son job, elle avait de quoi s'offrir des fringues décentes. Ada, je voulais seulement partir pour avoir une chance de... Mais t'as pas pensé que du coup, moi, j'avais pas le droit de mener une vie normale? Je souhaitais gagner de l'argent pour que ma fille puisse aller à l'école. Je ne voulais pas qu'elle... Tu ne voulais pas quoi? Que Louetta soit bête au point de tomber enceinte par la faute d'un cutéreux? Lily! Ada... Si la pauvre gosse a entendu un mot de ce que tu as dit, tu lui auras fait beaucoup de mal. Mais c'est pourtant la vérité. Oui, mais la souffrance est aussi tranchante qu'une lame de rasoir. Je me suis emportée. Je reconnais que j'ai eu tort. Louetta, ça va? Je m'en fiche. De toute manière, je crois pas à leur histoire. Hé, hey, Louetta. Louetta. Lily m'a souvent parlé de toi. Et je sais qu'elle t'aime très fort. Désolé, chérie, mon train a du retard, je ne peux pas rentrer. FBI. Vous avez déjà vu cette femme? Ah non, monsieur. Votre attention, s'il vous plaît. Le train en provenance d'Atlanta vient d'entrer en gare sur le quai numéro 2. Excusez-moi, FBI. Est-ce que vous reconnaissez cette femme et si oui, vous vous souvenez où elle se rendait? Voyons cela. Oh oui, je me rappelle bien son drôle de chapeau. Oui, elle a pris un billet pour Birmingham, en Alabama. Qu'est-ce que c'est que ça? Une vieille tête de poisson. Qui l'a accrochée là? Moi, c'est une espèce de porte-bonheur. Si tu veux enlever la peau d'un poisson-chat, il faut épingler sa tête et tirer sur sa queue de toutes ses forces. Il n'y a pas d'autre solution. Sinon, tu peux pas le manger. C'est gluant comme une anguille. On dirait qu'il y a de la colle dessus. C'est pour un pâté. Prends-en un. C'est dégoûtant. Tu peux pas le faire. T'as envie d'être un pêcheur? On dirait que ça te fiche la trouille. C'est pas ça. Voilà, balance-la. Et maintenant? Il faut attendre. Un pêcheur doit surtout être patient. Louetta! Je dois aller à l'église. On dirait que tu m'aimes plus. C'est normal, on ne doit pas pêcher le jour du Seigneur. Tu vas nous mettre en retard à la messe. Où étais-tu partie traîner avec ta belle robe du dimanche? Je disais aux garçons de la ville, comment est-ce qu'on pêchait? Ada, tu pourrais surveiller Michael en mon absence. Tant qu'il ne me fait pas tourner en bourrique. Merci. Maman, est-ce que je peux me recueillir sur sa tombe un instant? Bien sûr, ma chérie. Tu m'accompagnes, Louetta? J'ai déjà prié pour grand-père, Louis. Je t'ai pas attendu pour ça.
toujours, papa. Je suis en retard, je sais. C'est là que mon père est enterré. Je sais. C'est très triste. Allez, viens, Mike. Il est temps que j'aille à l'église. Je peux y aller aussi? Non, bonhomme. Il faut que tu restes caché. Mais c'est pas amusant. Ça, c'est sûr. Et je vais être obligée de travailler pour pouvoir payer ton billet. Tu ne crois pas qu'il est temps de retourner chez toi? Je rentrerai qu'avec toi. J'aurai de gros problèmes si j'y remets les pieds. Je sais. Je vous ai entendu hier soir. Et Louetta a entendu aussi? Oui. Michael, si tu connais mes soucis, tu peux comprendre que je n'y retournerai pas. Rien ne t'en empêche! Mes parents ne vont pas te reprocher quoi que ce soit. Ils ne sont pas comme ça. Tu ne vas pas les comparer avec les blancs d'ici. Ils t'aiment, Lily. Mais si j'avais fait quelque chose de mal... Mais t'as rien fait! Hein? Si, je crois. J'ai fait des tas d'erreurs, Michael. Et puis revenir chez soi après 5 ans, c'est pas rien. Tu regardes en arrière, tu vois ce que tu aurais dû faire, et puis là, forcément, tu imagines comment les choses se seraient passées autrement. Je dois rester chez moi. Et tu dois rentrer. Alors tu aimes plus Louetta que moi, hein? Oh, chérie, je vous aime tous les deux. Et ça ne changera jamais. Je te le promets. Louetta, tu devrais fermer ton manteau. Le fond de l'air est frais. Oui, grand-mère. Oh, qu'est-ce qu'on souffle en prenant le large. C'était Harrington au téléphone. Ça ne l'enchante pas que je l'accompagne à Birmingham. Jim, s'il retrouve Lily, j'aimerais qu'on ne soit pas dur avec elle. Pardon? Possible que Mike n'ait pas été kidnappé, mais peut-être qu'il voulait s'enfuir avec Lily pour qu'on s'intéresse à lui. Oui, espérons-le. Il sera bientôt là. Michael? Michael? Tu es là? Michael? Oh non, c'est pas vrai. Je leur avais préparé un gâteau. Bonjour, à la banane. Madame Rose. Louetta, arrête de traînasser. On va tout être en retard à cause de toi. Vas-y, maman, je m'occupe de Louetta. On n'a pas eu un moment pour discuter tranquillement. Tu veux pas aller à l'église? Comme moi. Et pourquoi ça? C'est dur d'affronter tous ces gens après ces 5 longues années.
Louetta, je sais que tu as entendu la conversation d'hier soir. Tu as pu comprendre ce que ta tante Ada m'a raconté? Chérie, je voudrais t'expliquer. Il n'y a rien à comprendre. Il n'y a pas une maman qui peut s'en aller en laissant ses enfants. Oh, celui-là. Rentre à l'église, Louetta. Je te rejoins tout de suite. Coucou, Lily. Je viens à la messe. Michael, tu mets en danger toute ma famille. Tu n'as pas compris ce que je t'ai dit. Lily! Oh, Seigneur. Viens vite. Voilà la plus belle. Passe alors, chérie Boyd. Bonjour, mademoiselle Ada Covington. Est-ce qu'on peut savoir ce qui vous amène dans notre église? On surveille les Noirs. Avec les événements de Little Rock, on ne veut pas risquer une autre émeute. Les prêcheurs sont remontés. On n'est pas là pour vous ennuyer, Ada, mais pour calmer les communistes qui sèment la pagaille. Bien, alors, bonne chance, shérif, à un de ces quatre. Ouais. T'as failli nous faire repérer. Merci, Ada. Tu nous as sauvés. J'ai jamais aimé le shérif Boyd. Non seulement il est énorme, mais sa ceinture fait ressortir sa bedaine. On dirait un éléphant saucissonné avec une grosse chaîne. Oh, Ada Covington, la plus jolie fille que j'ai jamais vue de ma vie en Alabama. Approche-toi un peu. Booker. Booker Covington, je crois que tu dois m'expliquer des choses. Oh, quelle surprise, Lily. Il y avait si longtemps. J'ai à peine eu le temps d'ouvrir deux tiroirs que ta patronne a rappliqués. Alors j'ai plié bagage vite fait. Mais c'était quoi, cette ambulance? Aucune idée. Moi, j'ai touché personne. Tu veux dire que je me suis sauvée pour rien? Non! Les flics se sont pointés chez moi. Les blancs sont tous les mêmes. Ta patronne savait que j'étais ton petit frère et comme je suis noire, elle m'a soupçonné. Et elle a eu raison. Ça aurait pu être un autre. Vouloir changer quelqu'un, c'est comme essayer de faire entrer un éléphant dans une théière. Pas la peine d'y penser. Et tes fameux gangsters? On a dû se faire la malle, on n'avait pas le fric. Mais ils nous croient encore à New York. Je croyais qu'ils pouvaient te retrouver n'importe où tu irais. Tu n'es qu'un menteur. T'aurais pu venir à la maison tout de suite. Oh, excuse-moi, Lily. Je voulais rester à New York et monter ce club de jazz pour nous. Là-bas, les Noirs n'ont pas besoin de cirer les pompes des Blancs pour vivre. Je te signale que ton père n'a léché les bottes de personne. Les Blancs l'ont épuisé à travailler leurs terres. Il est mort pour les enrichir. Écoute, on vient d'enterrer papa. J'ai pas envie de me battre avec ma sœur. Et tu crois qu'il faudrait que notre famille s'entretue? Tu me fais du mal, même si t'es mon frère. Oui, je le reconnais, Lily. Mais toi, tu as paniqué et tu t'es enfui. À cause de ça, la police est venue me chercher des noises tout de suite. Tu as le chic pour t'attirer des ennuis. T'as pas besoin de moi. Bonjour, monsieur FBI. Votre attention, s'il vous plaît. Sur cette photo. Le train express. Ah non, monsieur, je ne l'ai jamais vu. Vous en êtes sûr? Il n'y a pas de doute là-dessus, j'ai la mémoire du numéro 8. Vous devriez rentrer chez vous, monsieur Turler. Pas tant que je n'aurai pas mon fils. Oh, ma patience a des limites et ils en ont vraiment abusé. Michael, heureusement que tu n'es pas venu. Tu as eu de la chance. Le shérif nous a coincés dans l'église pour nous faire un sermon pendant une heure. On aurait dit que c'était lui, le pasteur. Et il parlait de choses qu'il ignorait totalement. Eh ben, dis donc, on dirait que ça chauffe. Booker! Oui, lui en personne, chère maman. Mon garçon, mon fils, merci mon Dieu. Oh, Louetta, on dirait que tu pousses aussi vite qu'un champignon.
Qu'est-ce qu'on mange, maman? Tu vas pas me faire croire que tu es parti assez longtemps pour oublier que le dimanche, c'est du poulet rôti. Oh non, c'est inoubliable. Ouais, maman. Moi et Chick, on va monter un nightclub qu'on voudrait planter en plein milieu de Harlem. Tu connais Charlie Parker, Thelonious Monk, les meilleurs jazzmen du monde. Et comme il n'y aura que des musiciens de talent, je suis persuadé que tout le monde se précipitera à l'entrée. Les pros de la mode, les gens du spectacle, en bref, tout le gratin. Oh, j'imagine déjà. Mon fils patron de son propre nightclub à New York. Mm-hmm. Ton père serait tellement fier de toi. Tant que tu ne te mets pas à vendre de l'alcool. Oh, quand tu retourneras là-bas, j'irai avec toi. Non, mais qu'est-ce que tu ferais à New York? Je danserai dans ton nightclub et je les ensorcellerai tous. Tu en les hypnotiserais, oui. N'est qu'une païenne. Oh, maman, il n'y a aucun mal à danser. Tu n'as pas touché ton repas, Michael. Va manger. J'ai pas faim. À New York, elles ont la cote. Tu ne te sens pas à ta place? Salomé qui a obtenu la tête de Saint Jean-Baptiste sur un plateau comme prix de sa dent. Tes parents te manquent, avoue-le. Non. C'est Saint Jean-Baptiste le problème. Mike, est-ce que tu vas continuer à les punir longtemps? Qu'est-ce que tu dis? J'ai plus faim. Allô? Bonsoir, chérie. Tu as des nouvelles? Non, rien. Pour le moment, aucune réponse à notre avis de recherche. Il y a plus de 300 Covington dans cette ville. Vous avez demandé à la gare? Oui, personne ne la reconnaît. J'y ai passé ma journée. Tu sais, je vais te faire rire. Vas-y, je ne demande que ça. Mais je suis pas sûre que ça te fasse rire. Je suis partie acheter plein de petits cadeaux pour Mike aujourd'hui. J'ai même fait les paquets tout à l'heure. Il va adorer. Jim, je t'aime. Je t'aime aussi. Bonne nuit. Bonne nuit. Tu sais que ce blanc vaut un gros paquet. Tu voudrais peut-être qu'on demande une rançon pour le rendre? Booker, tu te rappelles ce que les blancs ont fait à Emmett Till au Mississippi? Ce môme de 14 ans a été battu à mort parce qu'il avait osé draguer une blanche. C'était il y a 2 ans à peine. Alors t'as une idée de ce que pourrait prendre la pauvre Lily pour avoir kidnappé un enfant blanc? Non. Il sera reparti chez lui bien avant qu'il y ait un drame. Oh non, même si elle le ramène chez lui tout de suite, ils vont accuser Lily. Peu importe ce que le petit dira. C'est aller trop loin. Si les blancs font les lois, c'est pour condamner les noirs. On demande une rançon pour le gosse. Et on envoie ta sœur en voyage. Paye-lui un billet simple pour très loin. Tu lui dois bien ça. Déjeuner. Oh. Merci, Louetta. Je commençais à en avoir assez de t'attendre. Personne ne t'avait demandé de m'attendre. Si, grand-mère l'avait dit. Elle et tante Lily travaillent. Ada est toujours en train de se promener. Il faut croire que tu as besoin de quelqu'un pour te surveiller. Tu ne peux pas te débrouiller sans ta nounou. Non, c'est pas vrai.
Alors pourquoi est-ce que tu es venu chez nous? Je suis là en vacances, quelques jours. Tu penses que les filles sont bêtes, ma parole? J'ai entendu ce que Lily disait hier soir. Alors j'ai compris ton jeu. Toi, tu as déjà une maman. Pourquoi as-tu besoin d'elle? Salut, Mike. Comment tu vas? Tiens, vu ta tête, tu dois pas avoir la conscience tranquille, toi. Lily, je monte un coup pour toi. Je pense d'abord à ta sécurité. De quoi tu veux parler? Chick a caché Michael dans les bois, c'est plus sûr. Pourquoi? On ne risque pas de le trouver là-bas. Il est très bien à la maison. Quand ils auront la demande de rançon, il ne le sera plus. Quoi? Attends, répète-moi ça. Tu as besoin d'argent pour t'en aller loin d'ici, en Jamaïque. Je fais ça pour ton bien, Lily. Sinon, ils vont te mettre en taule à Plum Branch. Ils sont persuadés que tu as kidnappé le gamin. Où est Michael? Même si tu le réexpédies chez ses parents, tu restes coupable aux yeux des Blancs. Arrête! Où est Michael? Je ne te dirai pas où il est. Je vais t'arracher les yeux! Tu n'es plus mon frère pour moi. Tu as osé me trahir. Oh, lâche-moi! Où veux-tu aller? Je suis prête à fouiller les bois toute la nuit pour retrouver ce pauvre gosse. Non, ça ne servira à rien. Arrête. Ah, mais tu me fais mal. Laisse-moi tranquille. Maman, je voudrais t'expliquer. Oui, quoi? Je t'ai entendu. Et je ne crois pas qu'on puisse se mettre d'accord. Maman, essaye. Ça suffit. Regarde derrière moi. Une cabane d'esclaves, voilà ce que c'était. Nous, on a dit non. Et avec de la dignité et à la force du poignet, voilà ce qu'on en a fait. Je me suis trompée sur ton compte, mon fils. Je ne suis pas très fière de toi. Tu n'es plus du tout le même. Non, maman, c'est faux. Tu es devenu roublard et malhonnête. Et c'est à cause d'idiots comme toi que les Blancs peuvent avoir une emprise sur nous. Et ton père s'en retournerait dans sa tombe. Maman, qu'est-ce qui se passe? Booker, où as-tu emmené le petit? Je te l'ai déjà dit, Mike. On doit attendre Booker, sinon on se perdrait. Je connais la route. Allez, viens, je te montre, je sais où on est. Tu viens, Chick? Et il fait froid dehors. Tu vas t'enrhumer, reste au chaud pour dormir. Ah, et te voilà. Et tu sais, j'ai réfléchi. On n'a pas le temps d'envoyer une lettre à Manhattan. On doit chercher un téléphone pour accélérer les choses. Et puis, on... Tiens, Miss Lily, notre idée vous plaît? Hé, Booker. Qu'est-ce qui se passe? Michael, tu m'entends? Je suis prisonnier! Reste là! Lâchez-le immédiatement! Tu veux rire? Lâchez-le! Tu joues au méchant ou tu veux avoir l'air d'un dur à cuire? Lâche-le! Ah, laisse tomber. C'est pas la peine. Pas la peine? Lily! Là-dedans. Non! Non, Michael! T'es fou ou quoi? Je te saigne en 3 secondes si t'avances. Tu renvoies tes femmes au foyer. Et je veux plus les voir. Mais t'es devenu dingue. Oh non. Moi au moins j'ai des cervelles qui fonctionnent, au contraire. Au secours, Lily! Libérez-le ou ça va mal aller. Lily! On dirait que ta sœur aimerait que je te fasse une entaille. Je vous en prie, Chick. Laissez partir Michael. Je ne m'en irai pas tant que vous le retiendrez. Sauvez-vous vite! Tire-toi de là! Michael! Mike! Pour qui tu te prends, hein? T'as envie de mourir? Salopard! Allez, mets ta peur!
Dieu, je t'explose la tête. Touche pas cette porte! Pour la voir, faudra nous tuer tous! Tu l'auras pas, Chick. Vous êtes malade! Tous timbrés, cette famille! Booker! Bien, chérie. Tout est fini. Je te ramène chez tes parents. J'irai moi-même, puisqu'il le faut. C'est pas vrai. Si, quand je te le dis. Excusez-moi, messieurs. Agent Harrington du FBI. Je cherche cette femme qui était peut-être accompagnée d'un enfant blanc. Ouais, cette femme est montée dans mon bus, accompagnée par un petit blanc, ouais. Et vous vous souvenez où ils sont descendus? Ah, oui, très bien, Plum Branch. Et où ça se trouve? Oh, à l'est de Birmingham. Merci. Messieurs, en route. Par ici. Pour l'amour du ciel, Booker, arrête de gigoter comme ça. Qui aurait pu croire que ce type était capable d'une chose pareille? Il avait l'air si gentil. Ouais, je parais qu'il m'a gentiment cassé des côtes. C'est le bon Dieu qui te punit pour ce que tu as fait. Maman, on n'a pas économisé assez d'argent. Combien il te manque? $50 pour le bus, le chemin de fer, et puis on va avoir faim. Moi, j'ai $20, tu peux les prendre. C'est normal. Merci, Booker. Et moi, je te donne le reste. Merci, Ada. N'attends pas 5 ans pour revenir nous voir. Mm-hmm. Je vais atteler la mule. D'accord. Va lui donner un coup de main. Tu n'as pas à me remercier. Booker, je n'en avais pas l'intention. S'il te faut quelque chose? Non. J'ai bien trop souvent fui mes responsabilités dans la vie. Je n'ai plus envie de m'échapper. Je me sens prête cette fois. Je t'aime, maman. Moi aussi, je t'aime, chérie. J'aimerais bien te parler, Louetta. S'il te plaît. Louetta, je veux que tu saches que, en ce qui concerne ce qu'Ada a dit l'autre soir, elle a raison. C'est moi, ta maman. C'est pas vrai. Les mamans ne laissent pas tomber leur enfant. Pas les vraies mamans. Oh, mon bébé, je m'en veux tant pour le mal que j'ai pu te faire. Pourquoi est-ce que tu m'as laissée? Je croyais qu'en partant dans une grande ville, je pourrais obtenir un travail qui me permettrait d'offrir une meilleure existence, te donner une chance de t'en sortir, mais peut-être que je voulais me sauver. Pourquoi? Louetta, j'ai énormément aimé ton père, mais il était marié. Et pour lui, quand le moment est venu de choisir, il s'est détourné de moi. Oui, et toi, tu t'es détournée de moi. Non, ma chérie. Je suis partie parce que j'avais tellement honte de moi, pas du tout de toi. Je n'aurais jamais oublié ma fille unique. Je t'ai aimée dès l'instant où j'ai senti ton souffle chaud sur ma joue. Louetta, mon absence risque peut-être d'être longue, mais si on me laisse libre, je te promets de revenir tout de suite. Et plus jamais je te laisserai. Au revoir, chérie.
Va dire au revoir à grand-mère Mazie. Cette fois-ci, si je ne la revois plus, ce sera ta faute. Tu sais que tu vas nous manquer. Toi aussi. Et surtout, tu t'occupes bien de Lily, tu me le promets. Oui, t'as ma parole. En route, Mike. Je vous conduis à Plum Branch. Bon Noël, grand-mère. Oh, merci, toi aussi, mon chéri. Allez, ho! Mike, tu veilleras sur ma sœur, je te la confie. D'accord. Au revoir. Toi, viens, on a des questions à te poser. Bonjour, messieurs. Vous êtes Booker Covington ? Oui, monsieur. Agent spécial Harrington du FBI. J'aimerais parler à votre sœur Lily. Il a juré ne pas l'avoir vue depuis New York. Il nous a même conduit à sa ferme. Aucune trace d'eux. Je n'avais rien contre ce garçon, monsieur Towler. J'ai dû repartir. Il y a une autre piste ? Plusieurs bus ont quitté le dépôt cet après-midi. Mes hommes continuent à poser des questions aux chauffeurs pour nous aider. Mais il n'y a rien de sûr, c'est ça ? Je suis désolé, monsieur Towler. Allez, rentrez chez vous. Passez Noël auprès de votre femme. Oui. Je vais repartir. Merci. Merci d'avoir renoncé à réveillonner. C'est rien. Votre attention, s'il vous plaît. L'Atlantic Express à destination de New York est en gare sur le quai numéro 3. Il desservira les gares d'Atlanta, Greenville, Charlotte, Lynchburg, Alexandrie, Wilmington, Philadelphie et New York. Ben monte. Dépêche-toi, Lily, le train va démarrer. Rentre sans moi. Je ne peux pas te suivre. Quoi ? Je crois pas que j'ai le droit d'abandonner Louetta. Mais tu devais rentrer avec moi à la maison. Oui, je sais. Mais je ne dois plus la faire souffrir. Ce serait injuste. Elle ne mérite pas que je l'abandonne. Même pour te suivre. Mais je ne compte plus. Je t'aime beaucoup, chérie. Mais je n'ai pas le droit de laisser ma fille. Il faut que je rentre chez moi. Et toi aussi. Non. J'irai pas tout seul.
Merci, Michael. Sois raisonnable. Ton papa et ta maman ont assez souffert. Ils ont compris que tu avais besoin de leur présence. En voiture ! Donne-leur encore une chance de t'aimer et de te montrer. Mais on va plus se revoir. Si, on se reverra. On trouvera un moyen. En voiture, le train s'en va, madame. Oui. Je vous laisse mon protégé. Il retourne chez sa mère, à New York. Je veillerai sur lui, madame. Je suis un spécialiste, ne vous inquiétez pas. Tiens, c'est pour ton déjeuner. Michael, tu sais que c'est ce qu'on a de mieux à faire. Oui, je sais. Bon Noël, Michael. J'espère que vous ne m'en voulez pas. Faites beau rêve, ma Lily. Faites beau rêve, Michael. No more blue Christmases. They'll all be bright. No more just pretending to be happy when I'm sad. Going through the motions while others feel glad. No more
says. Now that I found you, oh, no wonder that I thought that they were going out of style. I just had to meet you to make Christmas. Now that I found you, oh, no wonder that I thought that they were going out of style. I just had to meet you to make Christmas. To make Christmas seem worthwhile.